soit qu'ils mettent moi en là-bas, en l'air là. Mon bon frère et sœur, bon après-midi à tous. Nous réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mon bon frère et sœur, si nous là, réunis autour de nos papas Simon Gabriel Francis, et pour qu'il nous rende un dernier hommage avec nous la prière. Jour son baptême, nos papas, Simon Francis Gabriel, t'ingagne accueilli devant la porte de l'église pour entrer dans une grande famille, bande chrétienne. Aujourd'hui, quand nous pouvons accompagner lui pour qu'il gagne aussi naissance, naissance éternelle avec bon Dieu, nous pouvons accueillir lui avec nous la prière, à nous rester unis, constés ensemble, même s'il y en a douleur, séparation, faudrait qu'il nous en a espoir et foi dans bon Dieu. Sa haine qui l'auteur nous la vie, sa haine qui compte en nous, qui nous fait nous vivre ici en bas de la terre, et lui aussi qui appelle nous pour que nous vivions dans son éternité dans le ciel. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir
dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Prions le Seigneur. Seigneur, accepte nos souffrances comme en la prière pour nos papas, nos grands-papas, nos arrière-grands-papas, Simon Francis Gabriel, qui nous quitte nous. On compte en lui, on connaît lui, qui au chemin l'éternité, il gagne ouvert largement pour que les gagnes accueillis dans ou la case et dans la paix. Et qui où l'amour vienne, éclaire son chemin et éclaire son bon frère et sœur qui nous quitte ici l'eau la terre. Nous pouvons demander ça le nom de son Jésus-Christ qui vivant comme elle a et pour les siècles des siècles. Nous entrer dans l'église.
frères et sœurs. Mon bon frère et sœur, nous réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce, nous Seigneur Jésus-Christ, l'amour, bon Dieu Papa, et que la communion, l'Esprit Saint, est toujours avec vous. Mon bon frère et sœur, nous réunis là dans la case Bon Dieu pour prier avec nos papas Simon, Francis, Gabriel qui nous quitte nous. Que dans les temps Pâques, que nous puissions célébrer la résurrection, nous la foi gagne renforcée. Pour que nous restions en communion avec la famille Gabriel qui est dans la séparation douleur et nous accompagne nos papas dans son dernier demeure. Nous connaissons que pour tout bon qui croit dans bon Dieu et son garçon Jésus-Christ qui nous peut célébrer la résurrection, la mort n'est pas la fin de tout. Il y en a pour ceux qui croient le lit, la vie n'est pas finie. Et dans les jours passés, plus précisément, le samedi dernier, dans la nuit, nous t'y tenis, nous avons bougies allumées. Signe Jésus-Christ qui lumière, qui lit, qui premier, qui ressuscité. Et ça même ça, que ça va la bougie, qui nous allume pour la dernière fois pour nos papas, Simon Francis Gabriel, paix symbolise ça la lumière que Jésus-Christ a apportée dans le monde. Dans la foi, à nous allume ça va la bougie. Mon bon frère et sœur, nous faisons commémorer que le Seigneur Jésus-Christ et sa haine qui est premier ressuscité avec ban qui mort. Et nous, dans célébration, sa résurrection, le Seigneur Jésus, qui te compte en nous jusqu'à qu'il ait. Il donne son la vie de la croix pour que nous, l'humanité, il gagne sauvée. Dans la foi, nous déposons à la croix, signe l'amour bon Dieu, avec son garçon pour nous et l'humanité. À nous déposons à la croix. Amen.
présent, mon bon frère et sœur, conscient qui nous tous, bon pécheur, dans l'humilité, nous tournons les cœurs vers sa haine qui est miséricordieux pour reconnaître nos péchés et nous demande pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Jésus, nous rassembler autour, nos frères, papa, grand-père, amis, Simon Francis Gabriel qui quitte nous, nous te disperser par nos travail et nos bonnes occupations, et nous laisse tout pour venir partager la peine, nos camarades, en particulier famille Gabriel qui est dans la souffrance, où tu vives mêmes conditions humaines que nous. Ouvert-nous les cœurs avec la prière ou la parole et témoignage ou l'amour pour tous les hommes et femmes. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. À présent, nous assisons pour écouter la parole de Dieu. On écoute la parole de Dieu. Il n'y a pas un démon qui peut faire la lecture?
lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous le savons, le corps qui est notre demeure sur la terre. Non, reprenez. Frères, nous le savons, le corps qui est notre demeure sur la terre doit être détruit. Mais Dieu construit pour nous dans les cieux une demeure éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. Nous avons donc pleine confiance, tout en sachant que nous sommes en exil loin du Seigneur, tant que nous habitons de ce corps. En fait, nous cheminons dans la foi, nous cheminons sans voir. Oui, nous avons confiance. En nous, aimerions mieux être en exil loin de ce corps ou habiter chez le Seigneur. Que nous soyons chez nous ou en exil, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun reçoive ce qu'il a mérité, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Luc chapitre 24, ben verses 13 à 23 et 32 à 35. Ce même jour, deux parmi les disciples, tu peux aller dans un village qui t'y appelle Emmaüs, en distance à peu près 11 km avec Jérusalem. Tu peux causer le tout ça qui t'est arrivé. Le temps qu'ils ont tu peux causer et discuter, Jésus lui-même t'y approchait et marche avec Zot. Zot il guette lui, mais Zot les yeux pas t'y capable reconnaître lui. Jésus t'y demande Zot, qui Zot t'y peut dire entre Zot, les temps qui Zot t'y peut marcher? Zot t'y arrêté bien triste. Haine. Parmi autres qui t'y appelle Cléophas, tu ne réponds. Est-ce que juste ou dans Jérusalem qui pas connaît ce qui est arrivé? Jésus, tu demandes aux autres, quoi qui est arrivé? Zot ne répondit. Le sujet, Jésus qui sortit de Nazareth, il est un grand prophète en action et en parole devant bon Dieu. Et devant les peuples entiers. Nous, bon grand prêtre, et les autres chefs, tu nous livrais pour gagner condamné à mort et gagner crucifié. Nous tiendrons l'espoir que lui-même qui t'est pour délivrer Israël. En plus, aujourd'hui, il fait 3 jours depuis que tout cela est arrivé. Pourtant, des 3 femmes parmi nous, ils étonnent nous. Zot ti al, quand tombeau grand matin, mais Zot pati trouve le corps Jésus. Zot me retourne et raconte nous qui ban l'ange qui ti apparaît avec Zot, ti dit que Jésus est vivant. Avec la chorale, on acclame ça la parole. Bon Dieu. Mon bon frère et sœur, le nom conseil pastoral paroissial, le nom conseil économique et tout bon paroissien Sainte-Thérèse Plaisance nous présente nos condoléances attristées, famille Gabriel qui est dans douleur, séparation, parce que sa haine, qu'ils ont content, ils quittent nous.
Quoi qu'il nous capable de dire dans ce moment, qui nous paie, accompagne, nos papas, Simon Francis, qui déjà écoute bon Dieu. Dans nous la vie, il y en a ban français, je te dis, zot ana providence. C'est-à-dire, il y en a ban signe bon Dieu qui montrait qu'ils ont ana la grâce. Notre papa est mort dans un moment qui faste pour l'Église, qui constitue pour nous croyants le sommet de notre foi. Il est mort durant le carême, en passant par la Semaine Sainte, et on a célébré la résurrection de notre Seigneur, et aujourd'hui, on le conduit en sa dernière demeure avec notre prière. Qu'est-ce qui est plus méritant que cette circonstance qui entoure le départ de notre papa? De un, d'après ce que le psalmiste nous a dit, ceux qui ont 80 années d'existence sont vigoureux. Notre papa, Simon Francis Gabriel, il gagne 80 années. Ça veut dire qu'il est vigoureux. Et si nous vivons nombreux, accompagnés par la prière, dans sa bonne fête Pâques, et parce que bon Dieu, il donne l'essence à la grâce pour qu'il gagne l'essence contre lui dans sa sommet célébration liturgique, l'Église. Et première lecture, qui nous a tiré dans deuxième lettre, Saint Paul pour les Corinthiens, on ne connaît pas lesquels parmi familles qui choisit sa lecture. Lesquels? Lesquels qui choisit sa lecture? Lesquels? Ah bon, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce que il est déjà dans la chorale. Il peut faire vous prier deux fois. Il connaît bien la liturgie. Sa lecture, il remplit l'espoir. Parce qu'il soulignait clairement qu'il nous en a un la case éternelle contre bon Dieu. Bon Dieu peut construire pour nous un demeure pour l'éternité. Et pareil, lecture, il soulignait, et mon a un petit guide, sa réalité, nous peut cheminer dans la foi. Et mon petit, un peu témoin, la foi du papa, parce que mon petit donne-lui la communion, il y en a la foi dans Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous tous, personne pas capable, dis-moi mon père, ce qu'il vous dit là, vous pouvez raconter ben blabla. Il y en a ben signe qui pas trompé. Le papa, il s'apprenait du monde qui gagne la lumière pascale qui nous fait allumer dans la nuit samedi passé. Le premier du monde qui nous recevait sa lumière pour lui retourner contre bon Dieu. Ça, c'est de un. Et deuxièmement, nous sommes dans la célébration pascale. Et il n'y a pas un moment plus saint que ça. Nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Résurrection qui a fait que nous avons la foi, que nous croyons en Dieu. Parce que nous savons que
quand notre pèlerinage ici-bas sera achevé, nous aurons une demeure éternelle auprès de Dieu. Et donc, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour ce que notre papa a été. Ce n'est pas un saint sur le banc. Il a ses défauts, il a ses péchés, mais on ne peut pas nier qu'il a cette grâce de retourner vers Dieu avec ce temps de grâce qui est le temps pascal. On ne peut pas le nier et c'est indéniable. Aujourd'hui, si je te vois, la chorale paroissiale parmi là, sûrement, il t'y causait avec son garçon, le bon Dieu. Et tu fais grandir sur la foi et tu réalises que si on a la foi, il ne faudrait pas qu'on vienne en la foi qui pouvienne un spectateur ou besoin d'un acteur ou la foi, engagé dans une communauté chrétienne. Et si le papa est parti causer le bon Dieu avec son garçon, ne pas croire s'il peut rester dans la chorale. Oui, il y en a aujourd'hui qui croient que bon, bon Dieu n'est pas existé. Mais ça qu'ils ont fait n'a pas un du monde qui n'est pas capable de dire que bon Dieu pas d'exister. Parce qu'ailleurs, ban scientifique, bon, en créole, ils ont dit ban scientifique. C'est comme ça, non, qu'ils ont prononcé, non? Ban scientifique, non? Ban scientiste, oui. Ban scientiste. Scientifiquement parlant, il y a une force, même dans la physique. Ceux qui ont fait la physique, il y a cette force qui existe dans l'univers et que eux ils nomment force et nous nous nommons Dieu. Parce que notre univers n'est pas sorti dans le hasard. Et pareil, ça qu'ils ont dit, grand architecte et bon Dieu. Si on appelle les forces, il a la même chose. Si on appelle les bon Dieu est tout puissant. Bon Dieu, il a force l'univers, et même chose. Et l'évangile qui m'en prend aujourd'hui, et l'évangile s'ajoute. Nous avons besoin de cheminer. Pareil, mon disciple Emmaüs. Et sûrement pareil, le papa. Il dit le chemin Emmaüs. Il dit reconnaître Jésus dans une célébration eucharistique. Et sûrement, et tu retournais contre Jérusalem pour annoncer son bon frère et soeur que Jésus est vivant. Il te cheminait avec lui et il te reconnaît lui quand il peut bénir du pain, asseoir le chemin Emmaüs. Aujourd'hui, notre papa a eu cette grâce. On continue à prier pour lui. Pour que le Seigneur jette un regard miséricordieux sur lui à cause de ses faiblesses humaines, de nos faiblesses. Mais ce que nous devons reconnaître, c'est rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu qui a appelé notre papa durant ces moments fastes de notre foi. Oui, Jésus est ressuscité. Si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi est vaine. Et c'est une pure perte de temps. Si Jésus n'était pas ressuscité, que de venir à l'église, s'asseoir pour écouter la parole de Dieu. Jésus est le premier ressuscité. Et c'est lui qui ressuscite ceux-là qui croient en lui. Ceux-là qui ont mis leur espoir, leur espérance en lui. Comme notre papa qui a mis son espoir en Jésus-Christ et il a reçu sa nourriture. Aujourd'hui, il est invité au grand festin dans les cieux et sûrement, il est en train de chanter les louanges des anges auprès de Dieu. Avec ceux et celles qui nous ont devancés
dans l'éternité. Et donc, que notre prière se fasse dans l'espoir, la foi, parce que la séparation est toujours douloureuse. Quand nous perdons un des nôtres, il laisse un vide. Et la nature a horreur du vide. Parce que il arrivera des moments où nous aurons tellement besoin de lui, mais malheureusement, il n'est pas là physiquement, mais il est là spirituellement. Et donc, dans notre cheminement, en particulier pour sa famille, quand quelque chose ne va pas bien dans la famille, quand vous vous réunissez, vous pouvez invoquer vos ancêtres pour qu'ils vous donnent la claire vision pour résoudre ce problème. Parce que déjà, ils nous ont devancé auprès de Dieu. Et un jour, nous allons nous le trouver. Aujourd'hui, quand nous pouvons accompagner nos papas à nous rendre grâce pour Dieu. Rends-lui grâce pour bonne merveille qu'il fait pour lui. Et qu'il lit, qu'il l'auteur nous la vie, nous vernit son bon les portes, la case. Pardonne-lui tout son bon péché et donne-lui le repos éternel, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. À présent, nous allons écouter le témoignage de la famille. Recently, every afternoon, he would come and visit us and have a cup of tea with Mom and Dad. He has his own way of knocking on our door that after some time, we did not have to open the door to see who it was. We already knew it was him. The first thing he would say upon entering was, "Where is my friend?" That's what he used to call me. Grandpa, I will never forget those beautiful memories of you. Mom, Dad, and I will miss you. We will miss hearing your knock on our door. We miss having you for tea, watching TV with us. Grandpa was very patriotic. He always ensured that he raised his national flag every morning and lowered it in the afternoon. Sometimes he would even tell us that he must go because he must lower his flag. Recently, during his sickness, every morning he would stand on the balcony to just see if the flag was up, and that confirms that he was okay. Although you are no longer with us, you will forever have a place in our heart. Every afternoon, we kept thinking about you, hoping that soon you would come. We are thankful for all your help throughout the years, advice and stories. We are forever grateful for everything and the difference you have made for us. My mom always wished and was hoping that you get better so you could live longer and be able to see me until the end of my school years.
Your absence will be mournful for us. Goodbye, my friend. Goodbye, grandma. Goodbye, Papa. Et tu tout le temps de raison.
voulait faire quelque chose de sa façon, parce que d'après lui, ça t'y laissait la façon. Il t'en a grâce à la justice, l'égalité et l'honnêteté. Et tu tout le temps dis nous, tu as besoin de quelque chose qui n'est pas pour vous, travaille-t-il pour gagner la vie et agir de façon juste envers les autres. Pas-tu aussi quand on fait face. Et tu quand on fait nous rire et tu joues coup avec nous. Nous t'as caché ta balili, et aussi tu as un balili pour venir nous. Et tu taille avec nous partout dans la case faire des ordres. Souvent, il te sortit les toits sous bateau, il t'a arrêté dans la plaine pour jouer football avec Tony et Chuck sur bonnes amies. En me délai, tu même mon bicyclette avec les autres. Pas de quantité d'amis. Mais moi, tu as parti, nous t'as habité à l'homme samedi soir, nous l'ai. Tout dit l'on sait, mais il t'a arrêté pour les causer. Il crie son ami, l'autre côté, c'est mais allô, allô, comment ça va? Fais une grande conversation, aime ça côté ses mains. Et si toute conversation, nous la paix, c'est mauvais temps. Ah, mais si moi, tu grandis, moi, tu vois tout ça, là, très embarrassant. Pas-tu content de danser? Toute qualité la danse. Et sûrement la danse préférée, tu twist. Ok? Si tout ça sort, comment let's twist again, par Chubby Chaka. Mais tu es aussi très tardi choléa. Et tu comptes dans son contrôle et son basé créole. Et tu fais un bon carizouit. L'État, tu peux encore son casier et tu comptes dans son radio. Et quand tu sens son pareil val, c'est côté, c'est malzo, petit joué là, il est venu danser. Il parle et tu peux en casser voisin et passer, puis qu'il est périllé. Et souvent, il dit, mon nom, vous dansez avec lui. Son grand quelque chose, c'est, voulez-vous danser, mademoiselle? Pas parce qu'il est capable de rester dans rien faire. Il dit, tout le temps, on a quelque chose de fait pour lui faire. Là, il dit, l'implique à la paix, c'est qu'il vend son bateau, il dit, c'est un moteur. Dans sa moteur, il dit, le bateau. En soi, il y a le haut, son beau ballon, mais long. Pas tout côté tu allé, il tient nos amis. Des 3 mois passés, à l'âge 79 ans, il tient encore des mots de sa moteur. De la part, mon bon frère, mon remercie au pas pour tout ce qu'il vous fait pour nous et pour nos familles. Pendant tout ça, on est qui nous lapisse, on emmène une quantité de poissons à terre, ou de la mer. Il redit et quantité la corde, la ligne et casier. Et il en mangeait beaucoup de monde. Merci, Pas, pour pas jamais give up, même dans les temps durs. Nous pour manquer guidance, ou conseil, ou bonnes histoires. Et pour la danse en balançant. Mais si tout, nous vous manque ou simplement ou présence. Nous comptons au bas, adieu. Jusqu'à nous en encore, repose en paix. On travaille dit pour quand il s'arrête. Vous êtes fini? Merci. Yeah.
bons frères et sœurs, nous lever pour faire monter vers nos bons dieux toutes nos supplications pour nos papas, nos grands-papas, nos amis, Simon, Francis, Gabriel. Ensemble, nous supplions, bon Dieu, l'amour. Gabriel, qu'elle soit ferme dans la foi et animée d'une grande espérance devant tous ces dieux et pères. Seigneur, nous te prions. Demandons à Dieu de les envoyer des personnes attentives pour les soutenir et les accompagner dans leurs souffrances. Seigneur, nous te prions. We pray for those who are grieving over the loss of Uncle Simon, that they all be comforted by the knowledge that the Lord will take care of him. Lord, hear our prayer. Seigneur Jésus, écoute tes enfants qui se confient en ta miséricorde. Jette un regard de pardon sur ton serviteur, Simon Francis Gabriel, qui nous a quittés, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Chant d'offertoire.
Pas le moment. Dieu maintenant et toujours. Le corps contraire, je te supplie, Seigneur, que nous commençons à te faire ce jour de grâce devant toi. Lave-moi de mes faux Seigneur et de mes péchés. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos offrandes, Seigneur, que ton serviteur Simon Francis Gabriel parvienne à la gloire avec ton Fils, à qui nous sommes unis par l'admirable sacrement de son amour, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul accepta la mort afin de nous arracher à tous à la mort. Lui seul a bien voulu mourir afin que tous nous vivions à jamais pour toi. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Saint, 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 le Seigneur. Alléluia. Saint, 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 Saint le Seigneur, Alléluia. Le ciel éclate, et la terre est remplie.
ton sang. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission du péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Gloire à toi qui a connu la paix. Qui a connu la mort. Amen. Gloire à toi qui es ressuscité. Amen. Gloire à toi qui es toujours vivant. De ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église, Seigneur, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Baptiste Alain et tous les évêques, les prêtres, les diacres, les consacrés et les catéchistes. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, plus particulièrement Simon Francis Gabriel que tu as appelé aujourd'hui. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur la famille Gabriel, et sur ceux qui sont ici présents, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père, Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, en union avec toutes les personnes qui se recommandent à notre prière, nous osons dire.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi et la charité de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, chers frères et sœurs, nous nous donnons un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et ton sang entre pour le jugement de condamnation, mais que par ta bonté soutient nos espoirs, nos corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Thank you.
Je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Accorde, Seigneur, à ton serviteur, Simon Francis Gabriel, de passer dans ta demeure de lumière et de paix. Car c'est pour lui que nous avons célébré le sacrement pascal, par le Christ notre Seigneur. Je suis la résurrection et la vie. Fils de Dieu, nous croyons en toi. Mon bon frère et sœur, moment inarrivé qui nous dit adieu. Nos frères, nos papas, nos grands frères, et nous accompagner avec nous la prière. Nos papas étaient gagnés sacrement baptême et sacrement l'Eucharistie et étaient communiés le corps, le Christ. Aujourd'hui, bon Dieu, il invite lui, quand lui dans son la case pour s'abanquer dans le ciel. Alors, ce qui nous l'espérance et l'espoir est resté fort dans ce moment de séparation douloureuse et que nous la prière et nous accompagne à nous faire recueillement dans la foi.
comme un signe respect pour O. Simon Francis Gabriel, là s'alençant, qui s'alençant peut monte côté bon Dieu avec nous la prière. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et m'aimer comme le front de l'histoire. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et m'aimer comme l'offrande de l'histoire. Comme la fumée de cet encens monte vers toi, notre prière, Seigneur. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et m'aimer comme l'offrande d'histoire. Mon bon frère et soeur, depuis veillée pascal et dimanche Pâques, nous gagnons rappeler que nous tous qui nous croient dans bon Dieu, nous tous avons ressuscité avec son garçon Jésus-Christ. Enseigne ça la foi, mon béni, ça le corps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. On prend la chanson quand ma voix se fait entendre. Yeah.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. À présent, conduisons notre frère et papa Simon Francis Gabriel en sa dernière demeure. Chant de sortie.